C'est quand même une vraie damnation, dis-je, d'aimer en public, au vu de tout le monde, sans par ailleurs ne rien en connaître soi-même. Mais c'est pourtant la seule possibilité de vivre autant de vie. Sur scène, merci bien, dans la fiction. Pourquoi fiction? Non? Ce n'est que de la vie en nous, de la vie qui se révèle à nous-mêmes, de la vie qui a trouvé son expression. Nous ne feignons plus quand nous nous sommes appropriés cette expression jusqu'à la faire devenir fièvre dans nos veines, larmes dans nos yeux ou rire sur notre bouche. Comparez ces innombrables vies que peut avoir une comédienne avec celle que chacun vit tous les jours. Une fadeur souvent qui nous oppresse. On n'y prête pas attention, mais nous dissipons tous les jours. Ou étouffons en nous l'éclosion de qui sait combien de germes de vie, de possibilités qui sont en nous, contraints que nous sommes au renoncement continu, aux mensonges, aux hypocrisies, s'évader, se transfigurer, devenir autre et n'être jamais rien pour nous-mêmes. Mon Dieu, dans une vie secrète à nous. Certes, une comédienne ne peut plus avoir de secret pour personne. Pourquoi ne le peut-elle pas? Mais pardonnez-moi. Si vous dites vous-même que sur la scène, vous vous révélez toutes, dans toutes les possibilités d'être qui sont en vous. Quel secret espérez-vous garder? Nous vous connaissons, non seulement comme vous êtes, mais aussi comme vous pourriez être. Non, tout au plus comme je pourrais être, car sur scène, je ne suis jamais moi. Excusez-moi, vous prétendez savoir qui je suis vraiment, alors que je ne le sais pas moi-même. Mais oui, certainement. Il a les photographies. Non, j'ai des yeux. Vous ne pouvez pas vous voir, alors que nous, spectateurs, nous vous avons vu. Pas moi. Comme moi, j'aimerais, par exemple, je vous prie de le croire. Vous voyez comment aime tel ou tel personnage que je représente. Mais puisque vous lui prêtez votre corps, excusez-moi, vos lèvres pour embrasser, vos bras pour étreindre, votre voix pour dire les mots d'amour. Nous savons comment vous repousser, comment vous vous abandonnez, les mots dans les tons variés qui les disent, les expressions de vos yeux, de votre bouche, votre rire, votre façon, par exemple, je l'ai remarqué, de caresser les cheveux ou de les décoiffer sur la tête de l'homme que vous aimez. Je vous dis que je vis à ces moments-là la vie de mon personnage. Ce n'est pas moi.